Dis à ton voisin, bienvenue. Là où nos vies sont embellies au quotidien. Mais c'est vrai en plus. Vous voyez nos photos, nos publications. Hein? Hein? Même les vidéos d'il y a même pas seulement 3 ans, 2 ans. C'est plus les mêmes visages. Il y a de l'embellie. Mais ça vient de l'intérieur et ça irradie sur l'extérieur. Le thème de mon message ce matin, c'est « Ta vie témoigne de la bonté de Dieu ». Est-ce qu'il y a quelqu'un ici dont la vie témoigne de la bonté de Dieu? Ouais. En principe, tous. Nos vies sont l'illustration que Dieu a été bon. Si Dieu a été bon pour une seule personne sur cette terre, c'est moi. Je ne sais pas en ce qui te concerne. Toi aussi. Amen. Ce message prend appui sur le puissant message du révérend du dimanche dernier, du mardi dernier, qui était expérimenter la bonté de Dieu. Vraiment, moi, j'ai toujours dit, j'ai toujours su que Dieu était bon. J'ai vu la bonté de Dieu dans ma vie, mais ce message m'a donné de voir la bonté de Dieu sous un angle plus grand. J'ai davantage réalisé, en fait, que ce serait une insulte pour moi de me poser des questions sur mon lendemain, par exemple. Ce serait une insulte pour moi de me lamenter sur certaines situations factuelles. Ce serait du mépris pour moi à l'égard de Dieu de commencer à remettre en question tout ce qui a été déjà fait dans ma vie jusqu'à aujourd'hui. Je me suis rendu compte que Dieu est vraiment, c'est-à-dire, on a défini la bonté comme étant la capacité d'une personne qui la pousse à faire du bien, en fait, à faire du bien. C'est-à-dire une machine, un distributeur automatique de bien. Elle dit, tu vas au guichet, là, tu prends. Ça ne veut pas dire que l'autre ne va pas prendre. On ravitaille et tout le monde vient prendre. Le stock de la bonté de Dieu est inépuisable. Jamais quelqu'un va dire, non, je suis arrivé. Dieu a dit, non, c'est fini, tu es venu trop tard. Tu aurais dû venir plus tôt. Tes amis ont déjà tout ramassé. Non, sa bonté est inépuisable. Il n'est pas juste bon. Et ça faisait partie des citations fortes du dimanche dernier. Dieu n'est pas juste bon, mais il est riche en bonté. Riche en bonté. Ça, vraiment, ça fait un déclic dans mon esprit, en fait. Je savais que Dieu est bon, mais c'est-à-dire la manière dont c'était présenté, j'ai réalisé que Dieu, non, c'est incroyable. C'est la meilleure chose qui puisse arriver à un être humain, en fait. Non seulement il te sauve, mais en plus, il déverse une cargaison de bonté, de grâce, de faveur sur la vie de quelqu'un. Maintenant, c'est vrai. Quelqu'un me dira, oui, mais on dit ça, mais moi, je n'ai pas encore vu. Non, tu es en train de voir. Le fait même que tu sois en vie ce matin, tu es encore en train de voir. Dieu déploie toute une stratégie, tout un plan pour la vie de quelqu'un. Parfois, je m'arrête, je me dis, mais moi, je suis qui? Hier, j'étais en larmes même quand je me suis dit, mais qui je suis pour toi-même, Dieu? Vraiment. Hey, pourquoi tu m'aimes autant, en fait? Et pourtant, c'est pas que tout ce que j'attends de Dieu, je l'ai déjà. Mais ce qu'il fait déjà, ça m'émerveille tellement que je m'arrête et puis je me dis, vraiment, si ce n'était même que ça, le reste là même. Mais c'est parce que le Saint-Esprit aussi ne veut pas que je dise, je laisse. Il me dit, non, on ne va pas laisser. Ça va venir. Non, Dieu, il est extraordinaire. La dernière fois, je passais dans une rue, le Saint-Esprit me rappelle ça. Et puis, je me suis souvenue, quand je passais sur cette rue-là à pied, étudiante, vous savez, à un moment donné de tes études, tu vas comme ça à l'université le matin, tu as ton sac, et puis toi-même, tu y réfléchis. Moi-même, je m'en vais, je fais tout ça là-haut. Et demain, là, est-ce que ça va donner vraiment? Et puis, tu vois, tu sais qu'il y a des gens qui ont fait de belles études, qui jusque-là ne trouvent pas du travail. Mais bon, toi, tu t'en vas quand même chaque matin. Vous vous rappelez? Et puis le Saint-Esprit m'a dit, tu te rappelles quand tu passais sur cette rue-là, tu allais à la fac. Toutes les questions que tu te posais, est-ce que tu peux me les reposer maintenant? C'est vrai que Dieu a carrément bouleversé ce que j'attendais, ce que je pensais. Mais ce que je vis en ce moment, c'est juste waouh. Et il me dit que ce n'est que le commencement. Quand le révérend a dit en fin d'année, à la traversée que ça ne fait. Je me suis dit, qu'est-ce qui ne fait que commencer? Donc, ce qui était là, c'était quoi?
l'ombre des choses à venir. Oh, ça dit qu'il y a des expressions dans la Bible. Quand le Saint-Esprit ouvre tes yeux dessus, tu es seul comme ça, puis tu ris, tu es dans ta bouche. Ça dit, parfois tu es seul, les gens ne peuvent pas comprendre. Il y a une joie qui bouillonne à l'intérieur de toi parce que tu sais que tu as un projet assuré. Un projet qui a été certifié, Dieu est au commencement et il va achever. Ah, et ce Dieu-là ne commence pas quelque chose qu'il sait qu'il va mal finir. S'il sait que ça ne va pas bien se passer, il ne commence pas. Quand il commence et qu'il a déjà fini, c'est bon, maintenant il déroule. Je ne sais pas pour qui je dis tout ça ce matin, mais Dieu, il est bon. Ne laisse pas le diable te faire croire que Dieu n'est pas bon. Dieu est bon. Ou te faire croire que Dieu est bon pour certaines personnes. Oui, mais ceux-là, ils ont déjà... Non, mais c'est un parcours. Et chacun d'entre nous là va avoir une vie qui va être spectaculaire. Mais si, seulement si, nous collaborons avec notre Dieu. J'ai été vraiment bénie par ce message. Il a dit, connaître la bonté de Dieu est essentiel pour avoir confiance en lui et marcher par la foi. Et je dis, c'est vrai. Si tu ne connais pas Dieu, tu ne peux pas être serein dans un monde comme celui-là où les prix grimpent à tout moment. Tu vas paniquer. Tu vas te dire, mais on va faire comment? La dernière fois, j'ai ma fille qui me disait, ah, maman, je suis allée. Elle m'a fait la capture, elle me dit, maman, regarde ce truc-là, ça a coûté tant. C'est passé au plus du double, en fait. Je lui ai dit, t'inquiète pas. Même si ça passe au triple, Dieu va toujours pourvoir. Dieu, il va toujours pourvoir. Et à la fin du message, tu comprendras pourquoi j'ai cette assurance-là. Parce que c'est un Dieu qui est fidèle. La bonté de Dieu, c'est la qualité morale donc de Dieu qui le pousse à faire du bien. Dieu, ce qui sort de lui, c'est faire le bien. Pendant longtemps, pendant des années, quand on était même dans le monde, c'est ce qui a fait qu'on avait peur de venir à Dieu. On s'est dit, Dieu, lui, en tout cas, il frappe. Si tu n'es pas correct, tu n'es pas réglo, arrange d'abord. Si tu n'es pas prêt, attends. Mais Dieu, sinon, si tu arrives, qu'il y a un problème, bam! Donc lui, c'est la dégaine. Tout de suite, il frappe. Non, et pourtant, ça n'a rien à voir. La preuve, tu es venu au Seigneur. Est-ce que ta vie a toujours été réglo? Non. Est-ce que ma vie a toujours été réglo? Non. Mais à un moment donné, on a vu la grâce de Dieu qui nous a donné la force de nous relever et de continuer avec lui. Et c'est même cette grâce-là qui fait que nous sommes tellement mal à l'aise chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'on cherche à régler ça le plus tôt possible pour que tout aille bien. Amen. Donc rien que ces vérités fortes-là devraient nous emmener à réfléchir. Qui est Dieu? Pourquoi nous? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Quelle est l'histoire qu'il est en train d'écrire à partir de nous? Est-ce qu'on est juste comme ça dans la ville d'Abidjan ou bien Dieu nous a fait naître à Abidjan dans la famille dans laquelle nous sommes nés, ayant traversé tout ce que nous avons traversé? Quel est le but qu'il veut atteindre derrière ça, après notre salut? Comment est-ce qu'il va rattraper tous les problèmes, tous les dégâts qui ont été causés par l'ancienne nature, dans l'ancienne manière de vivre? C'est des questions essentielles que nous devons nous poser. Si Dieu est bon, il est bon pour quel but? Qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce qu'il attend de nous? C'est vrai que la Bible nous en parle, mais dans notre intimité avec le Seigneur, il faut que nous puissions poser des vraies questions à Dieu. C'est quoi ma vie? C'est quoi le sens de ma vie? Où est-ce qu'on va? Et les vraies questions doivent appeler des vraies réponses. Dieu n'est pas un Dieu. Vous savez, il y a des personnes, quand vous leur posez des questions, ils essaient de vous tourner en... Ils essaient de vous jongler, on va dire. Hein? Ils ne vous répondent pas directement. Mais Dieu, quand on lui pose des questions, des vraies questions, il nous répond. Même s'il ne nous dit pas tout, mais il nous donne quand même une réponse pour que nous ayons de quoi continuer la marche avec lui, en fait. Et ce matin, ce que nous allons faire, c'est de nous emmener justement à réfléchir et à raisonner. La Bible dit dans Proverbes 8, verset 12. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. Pour être sage dans la vie, il faut se poser des questions et avoir des réponses. C'est comme ça que Dieu développe et amplifie justement la connaissance qui est en nous et ça se transforme en sagesse parce que ça vient apporter des réponses, des solutions et orienter les choses dans nos vies chaque fois que nous sommes confrontés à une situation donnée. Donc nous devons réfléchir. Si Dieu est bon, pourquoi ne pas lui être fidèle? Si Dieu est si bon, qu'est-ce qu'on cherche ailleurs? Si on est conscient que Dieu est bon, pourquoi on peut accepter les propositions du diable? Pourquoi on va essayer de mélanger les choses?
Pourquoi? Pourquoi ne pas lui être fidèle une fois pour toutes? Si Dieu est si bon, pourquoi est-ce qu'on ne lui fait pas confiance de façon continue et qu'on lui fait confiance par saison? Et puis après, on oublie. Parce que vous savez, souvent on écoute des messages qui sont tellement forts, tellement bénissants. Et puis au bout d'un moment, après une semaine, les jours qui suivent là, non, vraiment, moi, je ne peux plus douter de la bonté de Dieu, de la fidélité de Dieu. Oui, parce que c'est quelque chose qui est en train de se déposer à l'intérieur de nous. Mais est-ce que quand les situations vont arriver, dans un mois, dans deux mois, on pourra toujours être aussi serein par rapport à la bonté de Dieu, par rapport à la confiance que nous avons mise en Dieu? Le mot fidèle, c'est quoi? Quelqu'un de fidèle, c'est quelqu'un, c'est la qualité d'une personne qui est constante dans son attachement et dans sa relation. Constante dans son attachement et dans sa relation. C'est-à-dire, ce n'est pas quelqu'un qui vacille. Si je m'engage, je me dis, je suis engagée avec toi, je suis engagée jusqu'au bout. Et les personnes fidèles dans une relation, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des raisons d'être infidèle. Mais ça veut dire qu'on a résolu à l'intérieur de nous de rester attaché, même si en cours de route, il y a des situations qui ne vont pas. Et c'est ce que Dieu a résolu par rapport à nous. Malgré nos infidélités, lui, il a décidé de rester fidèle. Pas pour qu'on abuse de sa fidélité, mais pour qu'on réalise jusqu'où il est prêt à nous accompagner pour que ses objectifs soient atteints. Oui, Dieu est fidèle. Et il veut que nous soyons fidèles, constants dans notre attachement, dans notre relation avec lui. Que nous ne puissions pas commencer avec lui et qu'après nous puissions regarder en arrière. Luc 9, verset 62. Jésus lui répondit, « Celui qui commence à labourer et regarde derrière, lui n'est pas prêt pour le règne de Dieu. » Celui qui commence donc à travailler avec Dieu, qui commence un travail avec Dieu et qui regarde en arrière, il n'est pas prêt pour le règne de Dieu. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, nous avons des enfants de Dieu que nous avons connus. Nous sommes nés de nouveau ensemble, on a commencé la marche avec le Seigneur et puis au bout d'un moment, ils se sont relâchés. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ils ont regardé derrière pour voir, mais attends, ce que j'ai laissé là même finalement, comment ça évolue même là-bas? Parce que ici, là, ça ne semble pas aller dans le sens que j'attends. Et puis je regarde en arrière, je vois que là-bas quand même, ça évolue quand même pas mal. Et je compare les deux et je décide peut-être de retourner à ce que j'avais vomi, à ce que j'avais abandonné. Beaucoup d'enfants de Dieu, à cause de la dureté de la vie aujourd'hui, sont en train de tourner le dos à Jésus. Oui, c'est incroyable. On ne peut pas avoir goûté ce je sais pas, au-delà même du miel qu'est l'évangile et puis regarder en arrière et puis estimer que l'arrière est meilleur que ce que Dieu prévoit devant nous, même si on passe par le désert. Après le désert, il y a toujours la terre promise. Toutes les illustrations que Dieu nous donne dans la parole de Dieu, c'est pour nous préparer et pour nous donner en fait le chemin qu'il veut faire avec nous en fait. Donc c'est pas parce qu'il y a une situation difficile aujourd'hui dans laquelle Dieu veut utiliser, que Dieu veut utiliser pour pouvoir transformer ta vie, changer ton caractère, te bâtir pour que tu sois à même d'être stable dans la suite des événements. Oui. Mais on dit que quelqu'un comme ça n'est pas prêt. La personne n'est pas prête pour le règne de Dieu. Ça dit que tu n'es pas prêt. Ce n'est pas que Dieu n'est pas prêt, mais toi, tu n'es pas prêt. Et comme tu n'es pas prêt, parce que tu passes tout ton temps à regarder, tu avances, tu regardes derrière, tu n'es pas prêt. Donc Dieu va attendre que tu sois prêt. Et quand tu seras prêt, il pourra maintenant déployer son règne dans ta vie. Beaucoup de gens accusent Dieu à tort. Oh non, vraiment, depuis que je marche avec le Seigneur, je ne vois rien. Mais tu ne vois rien parce que tu as un pied dedans et un pied dehors. Le jour où tes deux pieds vont entrer, vous allez commencer. Ou même Dieu va commencer. Amen. Luc 8, versets 5 à 15, la parabole du semeur. Un semeur est sorti pour faire ses semailles. Pendant qu'il répand sa semence, des grains tombent au bord du chemin. Ils sont piétinés par les passants et les oiseaux du ciel viennent les picorer. D'autres tombent sur un terrain rocailleux. À peine ont-ils germé que les petits plants se fanent parce que le sol est trop sec. D'autres grains tombent au milieu des chardons et des ronces. Donc, c'est des petits arbustes qui donnent des épines, en fait. Et ceux-ci poussent en même temps que les bons plants et les étouffent. Mais d'autres tombent dans la bonne terre.
il germe et donne un bon fruit. Chaque grain en produit sans autre. Et Jésus ajouta que celui qui est capable d'écouter s'efforce de bien comprendre ce que je viens de dire. Les disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il leur répondit, vous avez reçu le privilège de comprendre les vérités cachées du royaume de Dieu. Pour les autres, ce ne sont que des histoires et des images. Si bien que tout en regardant, ils ne voient rien, tout en entendant, ils ne comprennent rien. Ok? Voici donc quel est le sens de cette parabole. La semence est la parole de Dieu. Le grain qui tombe dans le long du chemin représente ceux qui se contentent d'écouter la parole de Dieu, mais ensuite le diable survient et enlève de leur cœur pour les empêcher d'y croire et d'être sauvés. Garde-moi ça, n'enlève pas s'il te plaît. Donc les personnes entendent la parole de Dieu, mais le diable arrive et enlève ça tout de suite. Parce que ces personnes en fait, elles entendent la parole de Dieu, mais elles ne sont pas vraiment disposées à recevoir. Donc c'est comme si la parole arrive de façon inattendue en fait. Donc ça quand même tombe dans leurs oreilles. Parce que quelqu'un peut être ici par exemple, tu es là peut-être pour quelqu'un. Donc tu n'es même pas venu au culte parce que tu sais même ce que c'est venir à un culte, se préparer et tout. Mais la parole va tomber sur ta... Tu es là, donc tu vas entendre la parole. Si tu ne te disposes pas, tu vas entendre cette parole, mais dès qu'on va sortir d'ici, ça va partir. Mais si tu te disposes, cette parole-là va commencer à travailler à l'intérieur de toi. Et je vais te dire comment les choses vont se passer. Donc, il enlève et les empêche d'y croire et d'être sauvés. Il y a même des personnes, pendant qu'on est en train de prêcher, ils ne croient même pas. Tu dis, oui, Dieu est bon. Dieu, il est grand, il fait de grandes choses. D'accord. On continue. D'autres ressemblent aux grains qui tombent sur un terrain rocailleux. Lorsqu'ils entendent la parole, ils l'acceptent avec joie. Mais comme ils n'ont pas de fond dans lequel elle puisse s'enraciner, elle ne va pas en profondeur. Et leur foi est passagère. Donc, la foi naît, quelque chose commence en fait, mais il ne donne pas la possibilité à Dieu de les bâtir en fait. Donc, au bout d'un moment, ça part. Lorsque surviennent les difficultés, l'épreuve ou la tentation, ils se retirent et abandonnent tout. Nous tous, on est enfants de Dieu, on sait de quoi il s'agit là. On continue. Et même ceux qui ne sont pas enfants de Dieu comprennent. Mais ce matin, tu vas naître de nouveau et tu vas donner ta vie à Jésus. Si tu es parmi nous, la parole de Dieu va aller cibler ton cœur, va toucher ton cœur et tu vas donner ta vie à Jésus. Parce que tu n'as pas d'autre choix, c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver. La semence donc tombée au milieu des ronces représente ceux qui ont écouté la parole, mais en cours de route, les soucis quotidiens, la soif des richesses et l'appel des plaisirs du monde étouffent la jeune plante de sorte qu'elle ne parvient pas à maturité et ne donne pas de fruits. La parole a pris racine, elle a commencé à pousser. Mais les situations de la vie ont eu tellement de force sur le plant qu'au moment maintenant de donner le fruit, d'arriver à maturation pour donner le fruit, ce plant-là n'a pas pu donner. Mais nous, ce n'est pas notre cas. Au nom de Jésus. Enfin, voici le cas le meilleur et qui doit être le cas de chacun d'entre nous. Au nom de Jésus. La semence tombée dans la bonne terre désigne ceux qui, après avoir écouté la parole avec un esprit ouvert, un esprit qui n'est pas fermé, qui se dit « Ok, j'écoute et je vais voir jusqu'où Dieu veut me parler ce matin. » S'en pénètre et la retiennent dans un cœur honnête et bien disposé. Un cœur honnête, c'est un cœur qui est capable de confronter la parole et de dire « Oui, là, je ne suis pas en règle. Là, il s'agit de moi. » Qui ne font pas de fuite en avant. Non, non, mais elle parle de quoi même? Oh non, ce matin-là même, le révérend est où? Vous voyez, un cœur honnête, c'est un cœur qui est prêt à entendre la vérité et reconnaître que là, c'est la vérité. C'est ça, un cœur honnête. Et bien disposé, il persévère et porte ainsi du fruit. Amen. Ok, c'est bon. Alors, cette parabole-là, la dernière partie où on parle des soucis de ce siècle qui étouffent la parole, c'est le cas de beaucoup de personnes qui sont occultées par les choses de la vie, donc ils n'arrivent pas à avoir la bonne lecture de l'évangile que nous annonçons.
malgré tout ce qu'on peut dire, les messages qui passent, il y a quand même un autre message qui passe à l'intérieur d'eux pour leur dire non, Dieu n'est pas capable de te donner X, Y choses. C'est faux. C'est un mensonge. Et le révérend en a parlé. Ce sont des forteresses qui doivent tomber. Beaucoup de personnes donc occultées ainsi n'arrivent pas à jouir de la bonté de Dieu qui est disponible, qui est illimitée et qui est à leur, disponible à leur disposition, qui est là, prête à être donnée. Mais on n'arrive pas à prendre la bonté de Dieu parce qu'on veut autre chose. Et on pense que les choses qu'on veut, Dieu n'est pas capable de nous les donner. Vous savez, quand vous n'êtes pas patient dans la vie, vous allez vous créer des problèmes inutiles. Il y a des choses que Dieu a déjà pour vous, mais comme vous êtes trop, quand on est trop pressé dans la vie, le diable va nous proposer ce que Dieu voulait nous proposer, mais en nous enlevant l'essence de ce que Dieu voulait nous proposer. Chaque fois que le diable te donne quelque chose, ce n'est pas lui qui crée la chose. Il sait que c'était pour toi, mais il va te donner ça avec chagrin et amertume. Alors que si tu avais attendu gentiment ton papa, ton bon papa, il allait te donner ça sans chagrin, ni contrainte, ni murmure, tranquille, suivi d'aucun chagrin. La paix, c'est fondamental. Et Dieu, c'est lui qui donne la paix. Il y a des bénédictions qui t'enlèvent la paix. Enfin, on va dire bénédiction. Des séductions qui t'enlèvent la paix. Tu as l'air de t'en sortir, devant tout le monde, tu t'es débrouillé, tout est là. Mais les problèmes dans lesquels tu es avec ça, la nuit, tu ne dors pas. La paix, là, c'est quand tout est calme, là même qu'on peut sentir ça. Oui, quand tu es seul avec toi-même la nuit, tout le monde, les tralala, tout est fini, va dormir. Tu tournes gauche, le cœur, tu te réveilles en sursaut. Il y a quoi? Mais pourquoi tu transpires comme ça? La clim ne marche pas ou bien? Si, la clim marche, mais tu es dans trop de choses. Demain même, il faut que tu gères la suite. Et vous savez, quand c'est comme ça, Dieu même vous laisse organiser votre vie. Et puis les choses là deviennent compliquées, tu es dedans, toi-même tu luttes jusqu'à ce que tu dises, papa, non, ça là, c'est bon. Mais quand Dieu te donne ces choses avec la paix, tu dors comme un bébé, tu es étonné, c'est-à-dire tu es tellement émerveillé, même toi, quand tu as des insomnies, ce n'est pas parce que tu es troublé, c'est que tu es tellement émerveillé que tu n'arrives même pas à dormir. Ça vous est déjà arrivé? Dieu te fait tellement de bien que tu n'arrives même pas à dormir. Mais tu te dis, mais comment il a pu faire ça? C'est vrai que je m'attendais à ça. Je croyais en Dieu pour ça, mais la manière dont il a fait ça, chapeau, papa. Chapeau. Dieu est trop fort. Non, Dieu, il faut vraiment le respecter, en fait. Il faut le respecter, hein. Et il a de l'humour, hein. Vous savez, Dieu a de l'humour. Parfois, il te laisse là, puis tu es là dans tous tes trucs. Quand tu finis, il rit. Il dit, quand tu vas être fatigué, tu vas venir. Tu viens maintenant tout fatigué, puis il te dit, laisse tomber. Et quand il te montre maintenant ce qui était réservé, que tu allais chercher même ailleurs, et puis la mauvaise qualité, la contrefaçon, toi-même tu es là, tu dis non Seigneur, pardon. Il te regarde, il rit. Mais souvent ces expériences-là sont utiles aussi pour qu'on réalise qu'il n'y a que Dieu seul qui bénit. La bénédiction en tant que telle ne vient que de Dieu. La paix, la joie véritable viennent de Dieu. Pas les choses trafiquées, les vraies. Tout ce qu'on voit aujourd'hui sur Internet, les gens qui se montrent, qui montrent une certaine... C'est pour ça que le mot virtuel existe. C'est du virtuel. Derrière, Dieu seul sait ce que les gens vivent. N'ayez pas les modèles d'aujourd'hui. Il y en a même là. C'est-à-dire que tu vois une fille même, quand tu la regardes, tu dis, mais la seule, elle est en train de changer. Hein. Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Non, elle est en train de copier un faux modèle. Non, c'est vrai. Jusqu'à la manière de se présenter, tout. Crée ton modèle. Dieu veut créer un modèle par toi, en fait. Oui, arrêtons de nous laisser influencer. Et le mot même a été choisi à dessein. Influenceur. Influenceuse de quoi? De quelle base? Et tu te laisses influencer. Va lire la Bible, tu es là. Tu es sur les statuts des gens, sur les commentaires des gens, du matin au soir. C'est toi qui sais que tel a voyagé, tel a parti ici. Et Jésus a fait quoi dans ta vie cette semaine? Qui a été gagné? À qui tu as parlé de Jésus? On va même sur les pages de certaines personnes, tu vois même leurs pages. Elle dit, tu fermes, tu dis, Seigneur. Ah, après tout le travail qui se passe au temple de la foi, là, c'est le résultat là qui est là. Non. Ne soyons pas des terres où le diable vient picorer chaque fois. Sinon, ça ne sert à rien qu'on soit là.
Honnêtement, dans la vie, là, il faut être fatigué et chargé et venir déposer son fardeau au Seigneur. Si tu n'es pas encore fatigué, tu vas perdre du temps à l'église, en fait. Non. Et ça sera plus dangereux. Autant être bien fatigué, tu viens. Parce que ce que je dis, ça peut paraître, non, mais laisse-les au moins en étant dans la présence de Dieu. Oui, mais après, au bout d'un moment, il va y avoir du cafouillage dans ta vie, en fait. Soit tu laisses Dieu prendre le contrôle, soit tu attends, tu te fatigues. Parce que quand tu es bien fatigué, tu es résolu avec Dieu. Parce que tu as vu toutes les blessures que tu as sorties de l'ancienne guerre, là. Quand tu entres, tu es posé, tranquille. On te dit, va à gauche, tu es à gauche, mon cher. Là où tu es, là-même, tu es encore en train de soigner les plaies. C'est ça. Faisons attention. Les soucis de ce siècle. Quand on choisit de se préoccuper des soucis de ce siècle au détriment de Dieu, c'est l'expression de notre manque de confiance en la bonté de Dieu. En la bonté de Dieu et en l'amour de Dieu. Et le drame, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes préoccupés de ces choses qui nous sont déjà réservées. C'est à nous. C'est à nous, en fait. Oui. La paix, tous les concepts. On était ici pendant le jeûne, c'était magnifique. Les concepts de la gloire, de la puissance, de la vie, de la force. Ça vient de lui, en fait. Le bonheur, la richesse. Ça vient de Dieu. On cherche ça. Tous ceux qui ont cherché ça hors des voies de Dieu, regardez-les. Ça finit mal. Ça finit mal. Parce que c'est celui qui leur propose ça, ce n'est pas le concepteur, en fait. Il fait de la contrefaçon. On ne peut pas comparer l'original et la contrefaçon, c'est impossible. Donc au lieu d'aimer Dieu et lui être fidèle et le servir, nous abandonnons tout ce que Dieu nous propose pour des choses qu'il nous a déjà réservées. Et là, on se comporte en insensé. Dis, ce n'est pas mon partage. Quel que soit ce que le monde va me proposer, et même si le monde te propose quelque chose, retiens aujourd'hui que ça veut dire que tu as droit à ça. Des fois même, c'est parce que c'est même pas loin que le diable vient avant, rapidement, te proposer ça pour que tu n'aies pas accès au glorieux et à l'original. Oui. Il y a, même les sœurs, rendez-vous compte. Avant même que le vrai là arrive, le bon gars que Dieu a préparé, le vrai fils de Dieu, il y a toujours Ismaël là qui va essayer de venir t'embrouiller. Et si tu te laisses faire, Isaac arrive après, tu es déjà mal barré. Parce que tu as choisi le mauvais. Quand on connaît la bonté de Dieu, on ne se soucie pas des affaires du monde et de ce siècle. Parce qu'en fait, toutes ces choses-là sont à nous. Lisons, je vous donne la preuve. Matthieu 6, verset 24. Personne ne peut travailler en même temps au service de deux maîtres. Impossible. En effet. Ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera entièrement dévoué au premier ou méprisera le second. Vous ne pouvez servir en même temps Dieu et l'argent. Ici, ce n'est pas que l'argent est à nous, hein, parce que ça appartient à notre Père. Donc, on n'est pas en train, on ne va pas entrer dans une fausse hypocrisie. Mais ici, il est question d'un amour effréné et malsain de l'argent. Quelqu'un qui veut absolument avoir l'argent, avoir tout ce que le monde propose et tout, qui est à la quête de ces choses-là, va finir par délaisser Dieu et ses principes. Il sera obligé de se compromettre à un moment donné parce que s'il n'attend pas que ce soit Dieu qui les lui donne, il va être obligé de prendre la proposition de Satan qui vient toujours un peu plus rapidement. Il y a des gens qui ont dit non, Dieu il est lent, ça dure trop, mais au moins c'est l'original. Vous savez que les contrefaçons là, ça ne dure pas, hein? Oui, tu utilises ça. La personne qui a acheté l'original, là, 10 ans après, encore sa chose. Pour toi, là, ça n'existe même plus. Même les restes, même, on ne peut plus retrouver. C'est ça. Matthieu 6, versets 31 à 34. Bannissez donc toute inquiétude. Bannissons toute inquiétude. Bannissez, c'est-à-dire que dès que ça arrive, écartez ça. Effacez ça. Retirez ça de vos pensées tout de suite. Chaque fois que l'inquiétude arrive, bannissez-la. Et ça, c'est Jésus qui parle. Est-ce que Jésus ment? S'il dit de bannir ça, ça veut dire qu'il n'y a aucune raison que tu t'inquiètes. C'est pour ça que je dis que j'ai dit à ma fille, même si le prix passe à 3 fois, on va manger ça. Si Dieu me dit de bannir l'inquiétude, ça veut dire qu'il est au contrôle. La preuve, il dit, ne dites pas que mangerons-nous. Quand on pose ce genre de questions, c'est comme une insulte à Dieu.
À cette allure-là, même nous, on va manger quoi? C'est quel genre d'enfant de Dieu qui a ce type de déclaration, hein? Dieu ne savait pas que tu allais vivre dans ce siècle-là. Pourquoi il te garde sur la terre? C'est pour te mettre dans la honte ou la confusion du tout? Rappelez-vous qu'il est riche en bonté. Ou que boirons-nous? Avec quoi nous nous habillerons-nous? Mais ça, ce sont les préoccupations des mondains. Ce sont les gens de ce monde qui ont sans cesse de tels soucis. Quand vous voyez quelqu'un qui se préoccupe de « on va manger quoi? On va porter quoi? On va boire quoi? » Il démontre son identité. Tu es dans la maison de Dieu, mais tu n'es pas de la maison. Oui. Mais vous, vous avez au ciel un Dieu. C'est ça? Un Père. C'est-à-dire, il est Dieu, hein? Mais en plus d'être Dieu, il est ton Père. Attends. Mon Père, mon papa responsable. Il est le papa le plus responsable. C'est ça. C'est pas une chanson qu'on chante comme ça, hein. C'est parce qu'il était tellement responsable, au-delà de toute responsabilité, que certains pères n'ont pas pu, pas parce qu'ils le pouvaient, ils le voulaient, mais parce qu'ils ne pouvaient pas. Il dit, vous avez au ciel un père. Hey, ne te laisse pas intimider par les situations de la vie. Tu même autour de toi, les gens te disent, oui, tout va à la carte. Tu dis, oui, ça va empirer. La dernière fois, je dis à quelqu'un, je dis, ce n'est que le début. Les choses vont devenir plus dures. Ah bon? Je dis, oui. Oui. Et c'est vrai en plus. Qui sait que vous avez besoin de tout cela? Il sait qu'on a besoin de toutes ces choses. Ce n'est pas toi qui informe Dieu pour dire, papa, vraiment, attends, quand tu es né, même l'air que tu respires là, c'est toi qui as commandé. Non. Il savait que tu avais besoin de ça. Il a tout mis à l'heure. Il est tellement sage que arrêtons de faire croire à Dieu qu'il ne réfléchit pas vraiment. Arrêtons de faire croire à Dieu qu'il est, il est un peu dépassé en fait. Non. Au cas par cas, il gère. Il n'est dépassé par rien, en fait. Il n'est pas surpris. Il n'est pas... je ne sais pas quel mot on utilise dans ces cas-là. C'est-à-dire quelqu'un qui est dépassé. C'est vraiment le mot, en fait. Ouais. On n'a pas fini. Préoccupez-vous donc en premier lieu du règne de Dieu. Voilà ce que Dieu attend. Tout le reste est déjà géré en fait. Du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux. C'est tout ce qu'il veut. Alors tout le reste, fais-moi ta liste. Qu'est-ce qui te fatigue actuellement, qui fait que tu as envie de dire, bon, c'est pas grave, je vais partir un peu et puis je vais revenir. Donne la liste et puis on va mener ça ici. Tout le reste vous sera donné par-dessus le marché. C'est-à-dire par-dessus le salut, par-dessus la paix, la quiétude que tu as. Tu auras d'autres choses qui vont t'emmener en quoi? À bien jouir de la vie. Sans que tu n'aies à te compromettre. Et sans que nous ayons justement à suivre maman. Ok. Ne vous mettez pas en souci pour le lendemain. Il vous apportera ses propres soucis et ses solutions. Voici une garantie aussi que nous avons chaque jour qui vient. Même si un matin tu te réveilles, que tu entends qu'il y a une situation, sache que dans le même jour, là, la solution est déjà là. Même si elle va se manifester peut-être dans les heures qui suivent, ça va prendre sur 2 jours. Mais le même jour, là, la solution est déjà là. Il faut juste être calme pour écouter le Saint-Esprit te dire comment est-ce que vous allez gérer ça ensemble. La solution est déjà là. À chaque jour, sa peine. La peine de qui? Du jour. Pas la peine, pas ma peine à moi. À chaque jour, sa peine. Vous avez suffisamment apporté avec celle d'aujourd'hui. C'est-à-dire avec ce que vous avez à faire pour Dieu aujourd'hui. Puisque nous devons nous soucier juste du règne de Dieu, de ce qui est juste. Pendant que nous sommes en train de le faire, chaque jour, les soucis viendront avec leurs solutions. Mais quoi de plus? Je ne sais pas. Pour avoir une vie relaxe, en fait. Tranquille. Tranquille. Toute l'agitation, là, c'est le diable. Et toi, tu es en haut, là-bas, tu regardes, tu dis, laisse faire, chacun joue son rôle. Le diable, il se rend compte, hein, finalement, que tout ce qu'il même met en place et que le Seigneur permet, c'est pour nous donner d'avoir plus de témoignages et d'aimer plus Dieu, en fait. Parce que finalement, ça contribue à nous attacher à Dieu. Les situations difficiles que nous avons eues dans nos vies, qui ont été réglées, nous ont amenés à venir nous coucher ici, rendre gloire à Dieu, sauter et décupler notre foi.
Pour dire que Dieu, il est concret, il travaille. Même si ça prend souvent du temps, mais dans ce temps-là, il sait ce qu'il fait. Dans ce temps-là, il est en train d'agencer les choses, il est en train de toi-même te... Vous savez, souvent, on est plus focalisé sur ce que Dieu doit faire, sans se rendre compte que Dieu fait d'abord en nous avant de faire à l'extérieur. Oui. La fidélité de Dieu est un avantage pour tout enfant de Dieu, non seulement pour son salut, mais aussi pour la mise en œuvre de sa destinée prophétique. Il y a une destinée prophétique. Oh. Dieu te prend quelque part, tu ne sais même pas où il t'envoie. Il te dit « Allons ». Et puis au fur et à mesure, tu découvres. Toi-même, tu dis « Non, hé, papa, donc c'est ça là que tu m'es réservé. » Dieu, il est extraordinaire. Il est digne donc de confiance, un, parce qu'il nous aime profondément et il a démontré. Dis à ton voisin, Dieu t'aime profondément. Ce n'est pas juste aimer, hein, mais profondément. Il te connaît, il te voit. Ne te dis pas, non, moi Dieu ne me voit pas. Dieu te voit. Il te voit, il te connaît. Et il a un plan pour toi, on va le voir. Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde, l'univers agencé de Dieu, l'univers agencé, et même les hommes, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais attends, un grand Dieu comme ça, est-ce qu'il a besoin d'envoyer Jésus mourir pour toi, pour moi? C'est fort. Il n'avait pas plusieurs fils, hein, un seul. Il a accepté qu'il vienne mourir pour nous. Il a imposé à lui-même une réclamation sur la vie de chacun d'entre nous par le sacrifice que Abraham a été poussé à faire. Voyez un peu, ça dit souvent, quand tu t'arrêtes sur la parole de Dieu, quand elle est enseignée, toute la connaissance qui est derrière, tu peux pas te mépriser en fait. Et tu peux pas dévaloriser ta vie. Le révérend a dit que le salut est la plus belle expression de l'amour de Dieu pour les hommes. Il y a des gens qui disent, non, moi vraiment, il faut que Dieu fasse cela. S'il fait, il va me prouver qu'il m'aime. Jésus qui est mort à la croix, là, qu'est-ce qui peut se comparer à ça? Qu'est-ce qui peut concurrencer ça? Il t'a déjà prouvé qu'il t'aime. Et avant, on avait des phrases même, non, vraiment, non, aujourd'hui, là, moi-même, je sais que Dieu m'aime. Non, on doit changer ces vraiment de fois. Ce n'est pas aujourd'hui que je sais que Dieu m'aime. Dieu me confirme aujourd'hui encore que son amour qu'il a eu pour moi depuis la croix de Golgotha est encore manifeste. C'est ça. Le salut est la possession la plus précieuse que nous a accordée la bonté de Dieu. Ça, je cite les citations du révérend. Normalement, si tu as pris ça, tu as déjà ça dans tes notes. Parce que ce sont les citations de dimanche dernier, de mardi. Il a dit que le salut était la possession la plus précieuse que nous a accordée la bonté de Dieu. C'est la plus précieuse, mais il y en a d'autres. Mais celle-là, c'est la plus précieuse. Aucune ne pourra se comparer à elle. Deuxième chose, Dieu est digne de confiance parce qu'il est le dépositaire des plans rattachés à nos vies. C'est lui qui a fait les plans. C'est lui qui les a. Oh mon Dieu. Il a des plans pour nous. Est-ce que quelqu'un sait qui est venu de lui-même sur la terre? Tu as dit non, moi je veux naître. Personne. Alors si ce n'est pas nous qui sommes venus sur la terre, ça veut dire que celui qui nous a fait venir sur la terre, il a un plan. Et ce plan-là doit se mettre en marche. Vous avez déjà vu la vidéo de... Mais c'est bien la technologie. Aujourd'hui, on a la vidéo en 3D de la formation d'un bébé dans le ventre d'une mère pendant les 9 mois. C'est impressionnant. Impressionnant. Moi, c'est quelque chose vraiment... C'est vrai que dans la nature, il y a beaucoup de choses qui m'interpellent sur la sagesse élevée de Dieu. Mais pour moi, ça, c'est le wow de Dieu, en fait. L'un des wow. Tu n'as pas demandé à naître en fait. Alors Dieu, c'est lui qui te doit des choses. Seulement, tu dois t'engager à suivre ses directives. On doit s'engager à suivre ses directives. Ok Seigneur, on n'a pas demandé à naître, tu nous as fait naître. Qu'est-ce qu'on fait? Quel est le but? Et allons-y. Parce que de toute façon, je n'ai pas commencé la chose. Donc comme toi, tu as commencé, je te fais confiance pour la suite. Psaume 139, verset 13 à 16. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Quand
je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et c'est aujourd'hui qu'il ne va plus te voir. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Avant qu'aucun d'eux existât, Dieu nous connaissait. Donc, ce n'est pas la chute ou bien le fait qu'on soit né, on a passé un moment en Égypte, on a péché et toutes ces choses-là qui vont faire que Dieu va complètement nous jeter à la poubelle. Pas possible. Il y a un dessein qui doit être atteint. C'est pour ça qu'il a envoyé Jésus mourir à l'avance. Avant même que nous soyons nés, mais il savait qu'un jour, nous allions accepter Jésus pour pouvoir continuer le chemin avec lui. Si ce Dieu-là qui a commencé cette belle œuvre-là, on pouvait lui faire confiance pour la suite, je vous assure qu'on aurait moins de problèmes. Parce que la majorité de nos problèmes viennent du fait que nous avons invité des choses qui n'étaient pas dans le plan de Dieu que nous sommes allés chercher chez le diable. Et Dieu, comme il est bon, bon, quand tu es repentant, vous allez organiser tout ça. Lui seul sait comment il va faire avec les nouveaux entrants là pour continuer le chemin. Troisièmement, il est digne de confiance parce que ses plans vont au-delà de nos meilleures espérances. Au-delà, bien au-delà. Jérémie 29, verset 11. Quelqu'un me dira, non, 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 moi jusque-là, ce que Dieu est en train de faire dans ma vie, ça n'a rien à voir avec ce que moi je rêve. Attends, donne-lui du temps. Tu as même bouche là, je vais voir si tu pourras encore l'utiliser pour dire, non, moi, tu seras bluffé. Dieu va te dire, oui, je t'attends, je t'écoute. Jérémie 29, verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner quoi ? Un avenir et de l'espérance. L'espérance pour toute la suite. L'espérance d'être utile dans la main de Dieu. L'espérance d'être un moyen d'élévation du nom de Jésus. L'espérance que tout ce qui est autour de toi va militer à ce que les gens donnent leur vie à Jésus. L'espérance que tu laisses un témoignage à la génération suivante. L'espérance que autour de toi, tout le monde saura qu'il a existé sur la terre quelqu'un que Dieu a particulièrement aimé, utilisé et glorifié. » Oui, cette espérance-là, chacun d'entre nous ira jusqu'au bout et nous la verrons. Elle est espérance tant qu'elle n'est pas encore vue. Mais quand elle sera vue, chacun d'entre nous pourra témoigner, oui, ma vie est un témoignage de la bonté de Dieu. Éphésiens 3, verset 20. Oui. À celui qui, par la puissance qui agit en nous, même pas en lui, en nous, la puissance est déjà en nous, et elle agit en nous, si nous la laissons se manifester, peut réaliser infiniment au-delà de ce que nos prières peuvent demander ou que notre imagination même ose espérer. Voici le Dieu auquel nous sommes rattachés. Voici le Dieu qui a accepté de nous adopter comme ses enfants et qui a décidé de déverser chaque jour dans nos vies sa bonté infinie. Le révérend a dit, ce que Dieu désire pour toi est de loin supérieur à ce que tu veux toi-même. C'est vrai. Oui, tu peux avoir des plans. Dieu peut changer complètement la donne. Mais au bout du bout, tu te rendras compte que son plan était nettement le meilleur. Même si au début, tu ne comprends pas que ça peut être contrariant, ça peut être un peu frustrant, mais à la fin, tu lui donneras raison. Quatrièmement, Dieu est digne de confiance parce que lui seul est capable de te donner de sortir vainqueur de tous tes combats sans compromettre ton âme. Lui seul est capable de nous donner de sortir vainqueur de tous nos combats. Romains 8, versets 37 à 39. Mais dans tous ces combats, celui qui nous a tant aimés est près de nous. Dans tous nos combats, celui qui nous a tant aimés, qui a donné son fils Jésus, il est près de nous. Ne laisse jamais le diable te faire croire que tu es seul. Tu n'es jamais seul. Avec lui, nous restons vainqueurs. Pas nous serons, nous restons. C'est une position que nous avons. Nous sommes déjà vainqueurs. Et nous resterons vainqueurs. Il n'y aura pas un moment où on va défaillir pour être vaincu et puis revenir à la position de vainqueur. Nous restons vainqueurs. Et nous allons donc de victoire en victoire. Amen. Oui, j'en ai l'absolue certitude. Rien ne pourra nous arracher à l'amour de Dieu, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les puissances infernales, ni les dangers présents, ni les certitudes de l'avenir. Vous voyez des choses qui sont écrites à l'avance, qui concernaient des temps à venir, comme ceux-là. Aucune autre force de l'univers. Oh, j'avais pas lu ça au deuxième culte, c'est bien ça. Allons-y. Qu'elles viennent d'en haut ou de l'abîme,
aucune autre créature, non, rien au monde ne peut ériger une séparation entre nous et l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ. Notre Seigneur est dont nous jouissons en communion avec lui. Rien, rien, rien ne peut contrarier le plan de Dieu. Aucune œuvre des ténèbres ne peut prendre le dessus sur un enfant de Dieu. Impossible. Sauf si nous-mêmes nous laissons une brèche, une ouverture. Impossible. Nous sommes vainqueurs. Nous restons vainqueurs et nous allons de victoire en victoire. Yes. Yeah. Amen, hein, c'est ça. Et il a dit, le révérend, que Dieu, par le mécanisme de la destinée prophétique, a tout orchestré pour nos vies. Je reviens dessus. Souvent, on a l'impression que Dieu fait des choses par à-coup, c'est-à-dire, oh, le 30 mai, là, Dieu, ou bien, là, on est en mai, hein, donc, du genre, le 28 avril, Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire dans ma vie. Mais en fait, quand ça devient spectaculaire à une date précise, ce n'est pas là que Dieu a fait la chose. Non. Il a commencé depuis, et les choses s'enchaînent. C'est comme des mailles qui s'imbriquent les unes après les autres pour former un très beau collier à la fin. Donc, en fait, tout ce que Dieu fait dans nos vies, même quand il permet que le diable nous attaque et toutes ces choses, ça fait partie du plan, en fait, pour en arriver là. Et qu'à la fin, tout le monde soit bluffé, émerveillé, sublimé. C'est pour ça que la Bible nous dit, justement, que toute chose concourt. Romains 8, 28, oui, je pense. Nous savons, du reste, que les intentions bienveillantes de Dieu sont à l'origine de tout ce qui nous arrive. Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, pas de ceux que lui il aime. Ceux qu'il aime. Ceux qu'il aime déjà, il nous a aimés, il nous a donné Jésus. Mais si tu veux te distinguer dans cet amour-là et que tu cherches à faire les choses justes et que tu cherches le règne de Dieu, que Dieu voit que ton cœur est attaché à lui, il fera concourir toutes choses à ton bien. Car c'est conformément à son plan qu'ils ont été appelés au salut. Amen. Oui, oui, Dieu est digne que tu te dédies à lui, esprit, âme et corps, oui. Il est digne que tu puisses affirmer à tous ceux qui te connaissent que tu es un enfant de Dieu, que tu n'aies pas honte de ton salut, mais que tu sois fier de ton salut et que tu le proclames partout, à tout va, à qui Dieu l'entende et à qui doit l'entendre. Je suis enfant de Dieu. Et j'ai fait un choix très, 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 très sage et un choix très délibéré. Oui, et en toute conscience, et attends quelques années, tu verras que c'était le meilleur choix. Tu me rejoindras. Et je prie que ce ne soit pas plusieurs années, parce que ça t'aura fait perdre beaucoup de temps, mais que très tôt tu t'en rendes compte et que tu donnes ta vie à Jésus. Et c'est pour ça que Dieu est digne que nous puissions le servir le restant de nos jours. Oui, je vous donne encore une raison de contempler la bonté de Dieu. Lamentations 3, versets 22 à 23. On y va ensemble. Les bontés de l'Éternel, elles ne sont pas épuisées. Ça veut dire que les bontés de l'Éternel, il n'y a pas que le stock est limité. Illimité. Ses compassions, ce n'est pas qu'elles se sont arrêtées en 2023 pour dire, bon, maintenant avec la guerre de l'Ukraine, là, les compassions de Dieu, c'est fini, chacun se débrouille. Non. Elles se renouvellent. Non, mets tes lunettes. Chaque année. À chaque traversée. Non. Vous dites, lis bien. À chaque mois. Chaque matin. À 0h01 seconde. Pouf. La dose de bonté sort. La dose du jour sort. Ah! Vous connaissez les diffuseurs automatiques? Les diffuseurs automatiques, on les programme. On n'a pas besoin d'être là, en fait. On les programme, on dit toutes les 5 minutes, tu diffuses la senteur. Oh, ça, c'est tout de suite que le Seigneur vient de me donner l'image. Chaque matin, dès qu'il est 0h01 seconde, là, psh, la dose du jour sort. Elle se renouvelle chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande, Seigneur. Oh, que ta fidélité est grande, Seigneur. Vraiment. Dieu te réserve pas des bontés chaque année ou chaque mois, mais chaque matin. Chaque matin, tu as des raisons donc d'être content. N'attends pas d'aller suivre les coachs à gauche, à droite. Non, non, non.
Chaque matin, tu as des raisons d'être content. Tu te lèves le matin, tu célèbres. Vous voyez même les oiseaux qui se lèvent chaque matin parce qu'ils savent que chaque matin, Dieu réserve des bontés. Ils chantent déjà. Le coq chante, les oiseaux, je ne sais pas quels sont les animaux, mais il y a certains animaux particulièrement qui, tôt le matin, annoncent et célèbrent déjà le Seigneur. Et nous, pour qui tout ça est mis en place, tu te lèves le matin, ton visage est froissé. Oh non, ça va, ouais, un peu, mon cher, Abidjan est dur. Ah, ça va durci même. Continue de déclarer ça, tu vas voir. Mais tu te lèves le matin, tu dis, hé, hey, voilà la chérie de Dieu qui s'est réveillée ce matin. Qu'est-ce que Dieu lui réserve encore? Attends. Ce matin-là, qu'est-ce que je dois porter même pour magnifier encore mon Père? Que je sorte, que tout en moi justement crie gloire à Dieu pour son choix sur ma vie. C'est ça. On va rendre grâce à Dieu. Yes. On va rendre grâce à Dieu. Il est riche en bonté. Oh. Seigneur, pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons été dans un état de mépris, on va dire, par rapport à toi. Parce que c'est du mépris. Quand nous posons des questions, quand nous commençons à dire oui, bon, je ne vois rien, on commence à se morfondre, c'est qu'on a mis en oubli, en fait, toutes ces vérités-là. Donne à ces vérités de rester gravées en nous, que plus jamais le diable ne puisse les effacer de notre conscience. Quelles que soient les situations, quelle que soit l'adversité, quel que soit le défi, Seigneur, que nous sachions, 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 que les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées, elles se renouvellent chaque matin dans nos vies. Aussi longtemps que nous pouvons voir un matin, aussi longtemps nous verrons la bonté de Dieu. Oui, Seigneur, tu as rattaché ta bonté avec le lever du soleil. Oui. Oh Dieu Tout-Puissant, tu es extraordinaire. Nous voulons te rendre toute la gloire ce matin. Quel est cet amour? Quel est cet amour? Quel est cet amour qui génère tant de sollicitude et de bienveillance de ta part? Qui génère tant d'amour, tant de bienveillance, tant de bonté de ta part? Quel est cet amour, Seigneur? Oh Dieu, donne-nous nous-mêmes de réaliser ce que nous représentons à tes yeux, vraiment. Que ce ne soit pas le diable qui soit celui qui essaie de nous faire savoir qui nous sommes pour toi, mais que nous laissions le Saint-Esprit faire ce travail proprement dans nos consciences et nos systèmes de pensée. Au nom suprême de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce matin, je ne sais pas s'il y a quelqu'un parmi nous ce matin, mais vraiment, sois ici, sois connecté, je t'assure, pour vivre les bontés de Dieu chaque matin, il faut que tu acceptes d'être son enfant. Nous sommes tous des créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Sont enfants de Dieu ceux qui ont décidé de saisir la main que Dieu nous tend par Jésus-Christ, qui acceptent le Seigneur Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur personnel, et qui décident de tourner le dos au monde et à l'ancienne manière de vivre pour se conformer à la parole de Dieu et à ses principes. Si tu es là ce matin, tu dis, moi, je veux m'engager, je veux tester cette vie-là, j'en ai besoin. Je réalise que tout ce que j'ai fait jusque-là, ça m'a épuisé, ça ne m'a envoyé nulle part. Si tu es là, lève juste ta main comme ça. On est tous passés par là. N'aie pas honte. Viens. Et tu viendras donner ta vie à Jésus. Et Dieu va te faire du bien, en fait. Si tu es là ce matin, n'aie pas honte. Si tu es connecté, mets-toi dans les dispositions pour que nous puissions prier. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin? Pendant que je prêchais, tu t'es dit, oui, ça, il s'agit de moi. J'ai besoin d'aller à ce niveau. Je suis fatiguée de me morfondre sur ma vie. Je veux être en joie. Je veux connaître la paix de ces gens. Oui, Jésus est disponible pour tout le monde. Si tu es là ce matin, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a levé la main? Non? D'accord. Gloire à Dieu. S'il y a quelqu'un qui est connecté, nous allons prier pour toi. Et tu vas répéter après moi, Père, je te rends grâce pour un tel salut préparé d'avance pour moi. Ce matin, je réalise que rien de bon ne peut sortir de la vie dans laquelle je suis engagée. Et je décide de faire volte-face. Je tourne le dos à cette vie-là. Et je décide de te donner ma vie. Je t'accepte, Seigneur Jésus, comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens, entre dans ma vie et fais de cette vie-là ce qu'elle devait être depuis le commencement, au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Amen.